Beau matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième semaine de ce mois de décembre. Nous sommes lundi 11 décembre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé un joli week-end. Nous continuons avec le message des archanges. Et nous terminerons avec mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Mais avant de commencer, merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Je suis prête à honorer ma divinité. Je suis prête à servir l'humanité. Aujourd'hui, j'ai pigé harmonie relationnelle, pardon. Nous les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Ça tombe bien parce que c'est propice le mois de décembre, n'est-ce pas, de pardonner, de ne plus se disputer, n'est-ce pas? Le message, l'archange Raguël, parce que c'est l'archange Raguël, il vient vous dire que vos prières pour la paix personnelle ont été exaucées et vous serez appelé à jouer un rôle d'instaurateur de la paix dans cette situation que vous vivez présentement. Visualisez tous les intéressés, et évidemment y compris vous-même, en train de faire preuve de coopération et d'ouverture d'esprit. Même si certains ne se comportent habituellement pas de la sorte. Alors, fiez-vous aux instructions intérieures que vous recevez et sachez que les changements sont parfois difficiles, mais combien souvent nécessaires. Demandez-moi de vous aider dans tous les aspects d'une relation qui a besoin de guérison. Sachez qu'on finit par trouver au cœur de toute relation des bienfaits, des leçons qui font grandir et de l'amour, même si les apparences semblent indiquer autrement. Restez concentré sur cette vérité autant que possible. Le nom Raguël, il signifie ami de Dieu. Et son rôle principal, il est de créer l'harmonie et l'ordre dans les relations. Il a le pouvoir de régler les conflits et il est souvent appelé l'archange de la justice et de l'équité. Si vous vous trouvez ou vous vous retrouvez au cœur d'un différend, demandez à ce bel archange Raguël de servir de médiateur. Et il trouvera une résolution créative qui profitera à tous. Si vous êtes dans un conflit, demandez l'aide de cet archange Raguël. Et si il y a de la colère, de la rancœur, mettez ça sur le côté,
N'ayez plus cette colère et cette rancœur. Pardonnez et revenez à ce qui est à l'intérieur de vous. Et c'est quoi? C'est l'amour, n'est-ce pas? Waouh, quel beau message pour commencer cette semaine. Harmonie, harmonie relationnelle. Alors je termine avec mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. On est vraiment dans cette période des anges. C'est la période féerique, la période magique, n'est-ce pas? Alors, magie pigée, vue. Si vous ne souffrez pas d'un problème oculaire ou d'une pathologie au niveau des yeux, eh bien, portez votre attention sur le domaine mental, émotionnel, voire spirituel. Avez-vous assisté à un événement qui vous a choqué ces derniers temps? Est-ce que votre activité professionnelle vous fatigue-t-elle les yeux? Est-ce que votre regard se porte-t-il sur la bonne personne pour résoudre un problème? Votre clairvoyance est-elle en train de se développer? Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Toutes des questions à vous poser, n'est-ce pas? Eh bien, la petite prière, mes anges, merci de m'accorder une vue parfaite pour profiter des beautés de la vie. Les yeux sont le miroir de l'âme et mon âme est connectée à la source. Alors, que la source purifie mon regard pour qu'il retrouve l'éclat de ses premiers instants. Et vous répéterez trois fois, je suis la vue, je mérite la vue. Je suis la vue, je mérite la vue. Je suis la vue, je mérite la vue. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée et puis on se retrouve demain avec un nouveau message et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez, mais surtout prenez soin de vous avec douceur. Et moi je vous embrasse et à demain.